Ophélie, la plus jeune candidate de la 8e saison de l'émission Mariée au premier regard, a eu des doutes dès le début de son union avec Loïc, cofondateur d'une société d'ambulance et pompier volontaire. Ces doutes ont été renforcés par une confidence de Loïc sur le fait que sa plus longue relation avait duré un an et qu'il était séparé depuis seulement quelques mois. Cette révélation a créé une atmosphère tendue lors de la réception de mariage. Loïc a ensuite fait une remarque maladroite, disant « Franchement, on aura vécu le pire », ce qui a encore plus choqué Ophélie. Elle a réagi en disant qu'elle ne pensait pas que vivre son propre mariage serait la pire journée de sa vie. Plus tard, Loïc a partagé sur Instagram des moments inédits de son aventure et a répondu aux questions de ses abonnés. Il a parlé d'une nuit où ils ont pu discuter longuement et clarifier leurs malentendus. Cependant, il a également révélé qu'un incident aurait pu se produire pendant leur voyage de noces. Il a failli se blesser en plongeant dans une piscine dont un côté avait moins d'un mètre de profondeur. Heureusement, il n'a pas été blessé et aucune image de l'incident n'a été montrée à l'écran. Cela semble avoir été une expérience pleine de rebondissements pour Loïc et Ophélie dans Mariée au premier regard.